The Mind est un jeu de combinaison coopératif. Pour gagner, les joueurs doivent poser des cartes par ordre croissant, sans se tromper et sans communiquer. The Mind est un jeu coopératif. Les joueurs tentent de venir à bout des différents niveaux ensemble. Le nombre de niveaux dépend du nombre de joueurs. 12 à 2 joueurs, 10 à 3 joueurs, 8 à 4 joueurs. Un niveau se déroule toujours de la même manière. Les joueurs doivent poser les cartes qu'ils ont en main par ordre croissant au centre de la table. Le nombre de cartes qu'ils reçoivent correspond au niveau. Une carte au niveau 1, deux cartes au niveau 2, etc. Les cartes sont numérotées de 1 à 100 et présentes en un seul exemplaire. Chaque erreur retire une vie. Si les joueurs n'ont plus de vie, ils perdent la partie. The Mind est un jeu silencieux. Les joueurs n'ont pas le droit de communiquer entre eux, que ce soit à l'oral ou par geste. La difficulté est donc de poser ses cartes au bon moment pour ne pas se tromper. Il s'agit autant d'un jeu que d'une expérience.